Salut à tous, c'est Mazoran 240 et aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode d'une équipe hors du commun. Donc voilà, on se débrouille pas mal, 4-1, premier match, la quart de finale on va lancer directement. Donc on a très très bien démarré nos 8e de finale, 4-1, et là j'espère qu'on va trouver un adversaire plutôt moyen avec des joueurs aussi moyens, parce que si on tombe que contre des tots et tout, ça va pas trop le faire. Donc voilà, on a trouvé un adversaire, ça va, ça bug pas. Non, vas-y, je vais prendre le maillot de Tottenham, parce que je l'aime bien ce maillot de Tottenham. L'équipe, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Reus, Aubameyang, Blachikowski, 94, 92, 90, ça s'annonce très très mal. Bon, il y a des joueurs boost en plus. L'équipe de Dortmund, juste énorme. On va essayer de faire quelque chose, pardon. Donc voilà, on n'a pas le choix de toute façon. Bon. C'est mon premier match de la journée, hein, donc moi je fais pas de match de chauffe. Je me rappelle plus si je vous l'ai déjà dit, mais voilà, je trouve que ça sert pas à grand chose. Juste à se mettre en forme. Oh oh, merde. Ouh là là, ça commence mal pour moi. Et bonne défense. Bonne défense, là, il fait partir Marcio Zevedo. Marcio Zevedo qui récupère la balle, le Ronaldo Chapo. Oh la faute, oh, penalty. Penalty, bah oui, bien sûr, penalty. Penalty, pas penalty, hein. Je sais plus parler. Marcio Zevedo t'a provoqué la faute. Et t'auras pas le penalty parce que tu tires trop mal. Ce sera André Santos qui va tirer ce penalty. Attention, attention. Oh oui! Eh oui, c'est dedans. Bien joué, Marcio Zedo. Encore décisif sur ce match. Donc, comme quoi, Marcio Zedo est super important pour cette bonne équipe de défense en gauche. Oui, bonne défense. J'arrive à bien défendre. Oh, Marcio Zedo. Oh, il y a faute. Attention, on l'a roulé. Oh, le poteau. Oh là. Tête. Oh non. Oh non, non. Regardez-moi cette faute là. Bon, poteau. Et voilà. Il est. J'ai jamais vu ça, mais bon, il l'a fauché. Il a fait une tête plongeante. Et il l'a fauché en faisant sa tête plongeante. Franchement, il est fort. Attention, ne pas commettre de faute. Oh, bien joué, Diego Alves, toujours présent. Dans tous les matchs, il est toujours là. Toujours là pour sauver notre équipe. Ah, attention, il ne faut pas se faire piéger. Et oui, bonne défense là de Everton, de Philippe et Louis. Je me trompe tout le temps. Ouh, ça va. Je subis là. C'est pas bien. Vas-y, fais partir. Bon, la mi-temps, et il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Franchement, c'est un match plutôt plat, si je peux dire. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'occasions, à part ce penalty transformé en but. Donc ça va. Comme vous voyez, 3 tirs, un cadré, 0 cadré. Il a la possession largement là, franchement. Il a pas eu trop de chance, mais surtout j'ai bien défendu. Donc voilà, je suis assez content de moi sur ce match. Je défends assez bien. J'ai une très très bonne équipe. Je suis content et fier de cette équipe. Oh, attention de pas se prendre un but. Oh là là, je subis là. Il faut partir en contre-attaque dans ces moments-là. Oh là là. Oh non. Oh, oh c'est dommage. Il était bien parti. J'avais bien fait la passe, mais ça a été contré. Oh attention. Oh oh, oh attention. Ouh là là, la contre-attaque directement. Et j'ai failli marquer.
Ouh là là, le poteau, j'y ai pas vu venir. Oh, j'ai pas vu venir sa frappe là. Oh oh, la mauvaise relance. Ouais, oh là 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 là, je vais finir. Je vais finir par me prendre un but talon et j'arrive pas à trop le récupérer. Ou oh, attention, Diego Alves qui est sur ce ballon, il est encore présent. Diego Alves, je suis vraiment content de l'avoir pris. Je vais pas arrêter de le répéter, mais voilà. Oh, c'est pas loin, je suis pas loin de me prendre un but. Oh là là, il récupère vite le ballon, il avance son équipe et tout, c'est chaud. Paul se rapproche du but. Marcio Azevedo. Oh, Marcio Azevedo qui est parfait sur ce match. Ah là là, il a tout fait. Oh, c'est la fin déjà. Franchement, c'est passé super vite et je me suis fait archi dominer. Ah, je suis vraiment content d'avoir bien défendu et d'avoir concrétisé mon penalty, parce que sinon ça aurait fait 0-0 et ça aurait été dur pour moi de gagner ce match. Mais je gagne dans la douleur 1-0. Donc voilà, Marcio Azevedo encore juste exceptionnel sur ce match. Avec Evaldo et tant d'autres. Donc les détails du match. Donc vous voyez, il a fait plus de tirs. On a fait le même nombre de tirs cadrés, mais il a fait plus de tirs. Il a eu la possession, il a eu la précision de passe. Il a vraiment eu presque tout, le plus que moi. Il a fait moins de fautes. Donc voilà. Il a vraiment été très bon, c'était un très bon joueur, mais j'ai réussi à gagner quand même. Donc je suis content, j'ai passé les cartes finales. Donc on se retrouvera dans le prochain épisode numéro 10 pour la demi-finale. Et je vous dis à la prochaine.